Bom dia a todas e a todos. É uma alegria enorme que nós abrimos hoje a primeira jornada Arcai, Gênero e Antiguidade, Problemas e Métodos. Essa jornada ela é motivo de comemoração dupla, né? De um lado, nesse ano de 2021, nós estamos comemorando 20 anos da Cátedra Unesco Arcai, dedicada ao estudo das origens plurais do pensamento ocidental, né, que busca justamente analisar criticamente o processo de formação dessa tradição, e também comemorando um nascimento, além desse aniversário de 20 anos, que é o nascimento da linha de pesquisa dentro da Cátedra Arcai, Assembleia de Mulheres, dedicada aos estudos de gênero na Antiguidade. Eu gostaria de agradecer, então, antes de tudo, as docentes do programa de pós-graduação em Metafísica, que há uns 2 anos atrás, por iniciativa própria, formaram um grupo de estudos para estudar o gênero na Antiguidade e, enfim, resultou, né, na linha de pesquisa que temos hoje. Gostaria de agradecer as palestrantes que nos deram a honra de participar da jornada. Em ordem alfabética, Cynthia Arruda, da New School for Social Research, Marina Cavicchioli, da Universidade Federal da Bahia, Violaine Sebiot-Boucher, da Université de Paris 1, Panthéon Sorbonne, Valéria Sona, doutora em filosofia pela Universidade de Buenos Aires e atualmente desenvolvendo projetos de pós-doutorado na Universidade Autônoma do México. Gostaria de agradecer também os chairs, que vão acompanhar cada uma das sessões da jornada: Beatriz de Pauli, professora de Língua e Literatura Grega da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Cláudia Márcio, Departamento de Filosofia da Universidade de Buenos Aires, Emiliano Bulls, professor de Direito Internacional e Língua Grega também da Universidade de Buenos Aires, Maria Angélica Fierro, desculpa, também da Filosofia da Universidade de Buenos Aires, e o professor Renato Pinto, de História da Universidade Federal de Pernambuco. E agradeço ainda aos membros da comissão que estão aqui presentes nessa sessão de abertura, Gabriele Cornelli, diretor da Cátedra Unesco Arcai, Henrique Modanes, professor de História e também do Departamento, desculpa, do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em Metafísica, atual coordenador do programa, a professora Pilar Spangenberg, da Universidade de Buenos Aires, Letícia Leite, também aqui presente, que está atualmente desenvolvendo uma pesquisa de pós-doutorado no programa de pós-graduação em Metafísica e na linha de pesquisa Assembleia de Mulheres. E os doutorandos, doutoranda Fernanda Pio, Tadeu, que está terminando agora o mestrado, também no programa de pós-graduação em Metafísica, e a graduanda Isadora Fernandes, né, todos que, trabalhando aí em conjunto, né, tornaram possível a realização dessa jornada. Eu desejo a todos uma excelente jornada, tenho certeza que vai ser muito rica, né? E para encerrar essa sessão de abertura, eu gostaria ainda de passar a palavra à professora Pilar. Pilar, por favor, abra o microfone. Perdón, perdón. Bueno, mi nombre es Pilar Spangenberg, ya me presentó Agata. Yo soy de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Rosario, de Argentina. Y bueno, hace un tiempo ya vengo trabajando con el equipo de Arjai en la revista. Soy editora asociada. Y bueno, el año pasado ya hace un par de años, junto con otro grupo, con Gabriele Cornelli y Claudia Marzi con la cabeza, creamos una red de estudios Brasilia-Buenos Aires,
la red que bautizamos el año pasado, Brava, que el año pasado, en contexto de distanciamiento social, ya pudimos organizar con Gabriela a la cabeza y con la Universidad de Brasilia y con todo el equipo de Arjai, un seminario de doctorado para, bueno, medio internacional. Empezó siendo Brasil, Argentina, pero terminó siendo bastante internacional y fue un éxito. Y bueno, ya con este segundo proyecto propuesto por Gabriele de estas jornadas que abren perspectivas para todos, bueno, encontramos como una segunda instancia para seguir estrechando vínculos académicos y colaboraciones. Así que yo quería agradecer muchísimo, aparte de todo el equipo de Arjai, en nombre de todos los argentinos que están participando, por un lado, y también les quería agradecer muchísimo a la conferencista argentina, a Valeria Zona, y a los CHEAS, que tan amablemente se plegaron a esta propuesta, y bueno, como siempre, al equipo de Arjai por hacer estas propuestas y estas... ir abriendo vías siempre y yendo para adelante y buscando alternativas y en estas condiciones difíciles siempre sacar provecho de, bueno, de estas posibilidades que nos está ofreciendo la tecnología para seguir estrechando vínculos. Bueno, muchísimas gracias. Dejo la palabra al tercero. Nós vamos, então, agora encerrar a abertura, né, e passar para a conferência da Violaine Sébillot-Coucher, intitulada Como Escrever uma História Mista na Antiguidade. Desculpem, eu esqueci de fazer um breve aviso. Nessa jornada, vocês podem encaminhar perguntas tanto pelo chat do YouTube, mas nós temos aqui uma novidade, que é a possibilidade de quem estiver interessado vir fazer a pergunta aqui no estúdio de transmissão. Né? Então, a gente está compartilhando aí as instruções, né, para quem tiver, quem preferir fazer a pergunta, proferir a sua própria pergunta, ao invés de ter ela lida, essa é seguir as instruções e entrar no estúdio com a gente. Acho que podemos encerrar, então, a sessão de abertura. Né? E vamos agora convidar para o estúdio, para a tela, a professora Violaine Sébillot-Coucher e o professor Emiliano Buys, chair dessa primeira sessão. Salut Emiliano. Salut Violaine. Ça va? Ça va? Ça va bien? Tu m'entends bien? Oui, je t'entends parfaitement. Ouais. Ok, super. C'est un plaisir, hein? Ouais. Bon, je sais que on peut parler là, on est entre nous? Je pense qu'on est déjà en direct. Ok. Donc on va commencer si tu es d'accord. Parfait. D'accord. Bueno, bienvenidos. Y bienvenidas a todos y a todas. Bienvenidos, welcome, bienvenue. Este es un evento multilingüe de la cátedra Arjai. Mi nombre es Emiliano Buys, soy profesor en la Universidad de Buenos Aires y para mí es un enorme honor poder coordinar y moderar esta mesa con la conferencia de una gran colega y una gran amiga, que es Violaine Sébillot-Coucher. Quiero agradecer mucho a la Cátedra UNESCO Arjai, en particular a Gabriele, a Pilar, a Claudia, que sé que han hecho un enorme trabajo para que, tanto desde el punto de vista del contenido como de los medios técnicos, podamos hoy estar transmitiendo estas conferencias y esta jornada por YouTube. Como ustedes saben, la idea es, vamos a dar lugar a la conferencia de Violaine
y luego a través del chat de YouTube ustedes van a poder realizar las preguntas que me harán llegar por el sistema de la plataforma y en ese caso entonces daremos finalmente el debate respecto del trabajo de Violaine. Voy a presentar entonces a Violaine Sébillot-Cuché. Violaine es profesora de historia en la Universidad París I Panthéon-Sorbonne. Es especialista en historia griega de las épocas arcaica y clásica, fundamentalmente los siglos 8 a 4 a.C. Y particularmente ella se focaliza en el campo y en el ámbito de la antropología histórica de lo político. En ese sentido, su texto del 2006, que acá puedo mostrar, Libérer la patrie, patriotismo y política en Grecia antigua, ilustra algunas de estas líneas de su pensamiento. Su interés y su trabajo sobre la historia de las mujeres y las construcciones del género la llevaron luego a desarrollar investigaciones en una perspectiva relacionada con la historia social, fundamentalmente sobre el trabajo de una documentación basada en la epigrafía griega, fundamentalmente, y en un diálogo interdisciplinario, ¿no? Desde este lugar, Violaine ha integrado el eje pluridisciplinario sobre género de París I, el Atelier Genre Condorcet y el GIS Institut du Genre. También coeditó con Nathalie Ernoux el texto Problème du genre, yo estoy aquí enfocándolo, Problème du genre en Grèce ancienne, París 2007, y con Sandra Berenger, Hommes et femmes en Grèce et Rome, que aquí tienen, Le genre, méthode et document, París 2011, reeditado en el 2017. Violaine dirigió el UMR 8210, Anima, Antropología e Historia de los Mundos Antiguos, de 2014 a 2018, y actualmente es la vicepresidenta encargada de investigación en su universidad. Ha codirigido con Stella Gheorghiudi la revista franco-helénica Métis, Anthropologie des mondes grecs anciens, editado por Dédalus y la École des Hautes Études, de 2014 a 2021. En particular, hay un número hors série 2013 de Femmes en Action que ha coeditado Violaine y codirige en la actualidad con Geneviève Buret-Thierry la colección Histoire ancienne et médiévale en las ediciones de la Sorbona desde el 2015. A la iniciativa del programa de investigación Euricleia, las que tenían un nombre, ella lo dirige con Sandra Berenger, Adeline Grand-Clément y Sandra Perret-Nogues. Por supuesto, Violaine va a hablar un poquito de este trabajo realizado en el marco de Euricleia, pero huelga decir que este programa dio lugar a un proyecto internacional de cooperación científica del CNRS que está dirigiendo Violaine junto con nuestra colega Claudia Beltrán de la UniRío, la Universidad de Río de Janeiro. Podría decir mucho más para presentar a Violaine, pero me parece que lo más interesante es tener la ocasión de escucharla. Así que, merci Violaine d'avoir accepté cette invitation de la part de la chaire Arcai. C'est toujours un grand plaisir de t'écouter, on est hâte. Je te laisse donc la parole et l'écran pour que tu puisses nous présenter un peu ton intervention. Comment écrire une histoire mixte de l'Antiquité? À toi Violaine, merci. On ne t'entend pas Violaine, peut-être c'est les micros. Merci, pardon. Merci Emiliano. Merci à tous les collègues de l'Université de Brasilia pour l'organisation de cette conférence et l'occasion de discuter donc de ces questions de femmes et de genre dans l'Antiquité. Et merci à mon amie aussi, Laetitia, qui a traduit ma conférence en portugais et que vous allez voir donc affichée sur l'écran. Alors, il est un épisode de l'Iliade bien connu où le poète homérique met en scène Hector, le défenseur de Troie, qui salue sa femme Andromaque pour la dernière fois avant de rejoindre les lignes du combat. Hector prend son fils Astyanax dans les bras, puis le remet dans ceux de sa mère,
en faisant le vœu que, devenu grand, il se taille à son tour une réputation de guerrier à la hauteur de celle de son père. Andromaque comprend le danger mortel qui menace Hector. Elle reçoit l'enfant, dit le poète, sur son sein parfumé, avec un rire en pleurs. Hector clôt l'épisode par une dernière adresse à son épouse. Rentre au logis, songe à tes travaux, au métier et à la quenouille, et donne ordre à tes servantes de vaquer à leur ouvrage. Cet énoncé a souvent tenu lieu de description d'une vie antique où les femmes restaient au logis avec les servantes et les enfants, tandis que les hommes se taillaient une gloire immortelle sur le champ de bataille. Près de 3 siècles après la composition homérique, si tant est qu'on puisse la dater, le poète Euripide fait dire à l'Andromaque qu'il met en scène à Athènes dans les Troyennes, je cite, « Et tout d'abord, qu'elle soit ou non digne de reproche, une femme encourt la critique du simple fait qu'elle ne reste pas chez elle. Je résistais à mon envie, je ne quittais pas la maison, je tenais à l'écart les conseilleuses bavardes, la nature, pour me guider, m'avait donné du jugement qui suffisait pour me conduire. J'offrais à mon époux bouche silencieuse et visage serein. Je savais à propos l'emporter sur lui ou bien lui laisser la victoire. » Si l'Iliade évoque des normes de genre, distinguant un intérieur féminin, la maison, et un extérieur masculin, le champ de bataille, la tragédie du 5e siècle les complexifie et les problématise. Les femmes, comme Andromaque, savent bien que leur réputation dépend de leur capacité à suivre les injonctions de genre, mais elles savent aussi qu'elles peuvent en jouer pour finalement réussir à imposer leur vue à leurs époux. Chanter devant des publics d'individus libres et sans doute composés aussi de femmes, merci. Les poèmes épiques et tragiques ont une valeur à la fois didactique, idéale et irréelle. Les personnages représentés appartiennent à un autre temps et se comportent selon des valeurs ancrées dans le lointain passé héroïque. Seule la réflexivité dont les personnages font preuve, dans la tragédie au moins, permet au présent de s'inviter sur la scène, mais de manière distanciée. De ce point de vue, les images produites par les vases attiques jouent un rôle similaire. Elles projettent des versions idéales de l'épouse, belle, sage, à l'intérieur, qui ne sont évidemment pas conformes à la réalité vécue par celle qui regardait ces images. Et là, vous avez le vase qui se trouve... qui présente une scène de mariage avec une femme assise au miroir qui s'apprête donc à être, qui soigne son apparence en tout cas. Les normes de genre énoncées sont probablement encore comprises comme des injonctions sociales au 5e siècle, comme le montre la tragédie. Et elles constituent donc toujours un horizon à atteindre pour tous ceux et toutes celles qui aspire à une forme de dignité sociale. Lorsque, à l'hiver 430 avant Jésus-Christ, Périclès prononce l'oraison funèbre en l'honneur des citoyens morts à la guerre, il s'adresse à l'ensemble de la communauté athénienne, réunie au cimetière public du Céramique, citoyenne et étrangers compris, et évoque la vertu féminine par excellence, la discrétion. On le constate, l'Andromaque homérique n'est pas loin. Pourtant, ces énoncés à valeur prescriptive ne résument en aucun cas l'attitude habituelle des Grecs concernant la renommée, le kleos, et la dignité de l'ensemble des femmes qui les entourent. Des travaux menés depuis une trentaine d'années ont montré que les femmes grecques n'était pas si invisible que ce qu'ont prétendu les historiens du XXe siècle,
qui ont souvent généralisé des pratiques spécifiques, comme celle des orateurs attiques. Après la thèse pionnière de Helen MacLise en 1920, qui effectuait déjà une recension des femmes nommées dans les inscriptions athéniennes de 400 avant Jésus-Christ à 250 de notre ère, il a fallu attendre le développement de l'histoire des femmes et des études de genre à la fin du XXe siècle pour qu'une plus ample documentation sur les femmes de l'Antiquité soit enfin mise au jour. Cette conférence a pour objectif de proposer un programme de travail pour contribuer à écrire une histoire mixte de l'Antiquité, une histoire qui intègre les femmes dans sa réflexion, mais sans présupposer à l'avance que les individus agissaient ou étaient perçus en tant que membres d'un groupe de sexe. Pour écrire une telle histoire, il faut d'abord tenir compte des données fournies par les fouilles archéologiques, qui renouvellent très largement notre compréhension des sociétés antiques. Il faut ensuite réunir ces données en les analysant dans une approche de genre, autrement dit, en tenant compte des biais interprétatifs liés aux stéréotypes de genre véhiculés depuis l'Antiquité jusque dans la littérature scientifique moderne. Pour discuter cette méthode et cette approche, je m'appuierai sur le travail réalisé par le collectif Euryclea, un travail réalisé avec tous les collègues qui se sont engagés dans cette aventure scientifique, et y compris au Brésil. Le premier point, donc, il s'agit de tenir compte des résultats des recherches récentes, et notamment l'apport de l'archéologie. Depuis la fin du XXe siècle, c'est le développement continu de l'archéologie qui a contribué à une meilleure prise de conscience de la capacité d'action des femmes de l'Antiquité. Largement documentée par les textes inscrits sur des supports non périssables et affichés dans l'espace public, nous connaissons désormais des femmes prêtresses, des dédicantes, des commanditaires d'offrandes, des magistrates dans les cités, des évergettes et des créancières de la communauté. Vous avez la liste des références. Xenocrateia, par exemple, une Athénienne de bonne famille, une citoyenne, a elle-même commandité un monument votif vers 400 avant Jésus-Christ pour remercier les divinités de s'être bien occupée de son fils Xéniadès. Elle fait inscrire son nom en public sur la base qui supporte le relief et invite les passants à offrir des sacrifices sur l'autel qu'elle fonde en l'honneur des divinités locales qu'elle honore. Sa capacité d'action, elle est seule, sans mari ni tuteur, tranche avec l'idée reçue d'Athéniennes enfermées au gynécée. Et vous avez là le relief sculpté où elle est représentée avec son fils, un relief donc qui est aujourd'hui au Musée national d'Athènes. Le texte inscrit « Xenocrateia a fondé un sanctuaire pour Képhisos, la divinité locale, et a offert aux divinités qui partagent l'autel en remerciement de leurs soins, elle, fille et mère de Xéniadès du thème de Kolaidaï, que celui qui le désire accomplissent un sacrifice pour l'accomplissement de ses souhaits. » Cette inscription est sur la base qui se trouve juste sous la stèle sculptée. Alors, les données sur la capacité d'action des femmes en public ne cessent en fait de s'accumuler. En 1911, environ 130 femmes étaient connues pour avoir exercé des charges publiques dans les cités grecques d'époque hellénistique et impériale. Une étude publiée en 1996 en recensait déjà plus de 350, et ceci uniquement pour l'Asie mineure, la Turquie. Dans les 20 dernières années, entre 1994
et 2019, le nombre des prêtresses d'Artémis connues à Éphèse a doublé, passant de 30 à plus d'une soixantaine. Depuis 1987, The Lexicon of Personal Greek Names, le LGPN, LGPN en français, une entreprise de la British Academy, recense, région par région, selon une stratégie accumulative, les noms des individus ayant laissé une trace dans l'espace public hellénophone depuis le début de la pratique épigraphique alphabétique grecque, vers le 7e siècle, jusqu'à son étiolement entre le 3e et le 4e siècle de notre ère. Or, le lexicon, le LGPN, fait aujourd'hui état de plus de 40 000 femmes nommées. La mention de ces femmes, dont le nom est écrit sur tout support, pierre, bronze, céramique, papyrus, manuscrit, apporte la preuve de leur ancrage dans des relations interpersonnelles dont leurs contemporains souhaitaient donner une résonance publique et durable. Cette mention fournit aussi la trace de leur activité et de la publicité qui était faite à ces activités. Les premières femmes qui sont peu à peu sorties de l'oubli furent d'abord des membres des élites, mères, épouses, filles ou sœurs de magistrats romains ou de riches citoyens des cités grecques. Aujourd'hui encore, les femmes ordinaires et les femmes esclaves constituent un point aveugle. Or, l'attention récente portée aux actes d'affranchissement invite à ouvrir ce dossier des femmes subalternes tout en le liant à celui des femmes propriétaires, les maîtresses d'esclaves. On peut estimer que 3000 femmes environ, propriétaires ou esclaves, sont nommées dans les environ 1400 actes d'affranchissement inscrits sur les murs du sanctuaire d'Apollon à Delphes. Ces actes, qu'ils viennent de Delphes, mais aussi d'autres régions, en Grèce centrale en particulier, se révèlent constituer une source fondamentale pour notre entreprise, car ils permettent d'entrecroiser la question de l'agency des femmes propriétaires, et donc celle de leur position, autonomie juridique par rapport aux hommes de leur famille, celle de leur éventuelle vulnérabilité sociale, notamment au moment de leur vieillesse, et celle des liens de solidarité entre esclaves et propriétaires. C'est ce que montre, par exemple, l'acte de Dexippa, enregistré à Chéronée en Béotie au IIe siècle avant Jésus-Christ. Même si son époux est présent au moment de l'enregistrement de l'acte, Dexippa agit en propriétaire et est souveraine dans sa décision. On comprend que celle-ci a été prise dans l'intérêt de sa propre grand-mère, une vieille femme isolée. Je lis l'inscription. Sous l'archonta de Dioclès, fils de Simias, le 15e jour du mois Homoloion. Dexippa, fille d'Athanios, son épouse Amikos, fils de Philoxénos, étant présent, consacre ses propres esclaves, Calice et Putis, et le petit garçon de Calice, dont le nom est Nikon, comme consacré à Sarapis, pour qu'il reste avec Dexippa, fille de Boulos, ma grand-mère selon la nature, pendant tout le temps de vie qu'il lui reste, sans conteste. Leurs enfants nés pendant la période de la paramonée seront esclaves de Dexippa, fille d'Athanios, celle qui a fait la consécration par l'intermédiaire du conseil selon la loi. Intégrer les femmes dans l'histoire ne sert pas seulement à rééquilibrer la documentation. Cela a aussi un impact considérable sur la compréhension globale de la société antique. L'historiographie récente l'a prouvé à propos de la notion de citoyenneté,
Une étude parue en 1986, Patterson, démontrait que les Athéniens utilisaient un lexique féminin de la citoyenneté. À leurs yeux, les citoyennes existaient bel et bien. En 2017, un ouvrage important, celui de Josine Bloch, a analysé la manière dont notre perception de la démocratie antique s'était élaborée à partir de l'unique point de vue de la politique d'Aristote et des représentations modernes de la démocratie laïque et masculine. Les données antiques qui contredisaient Aristote avaient été négligées ou discréditées. Et fut longtemps affirmée l'exclusion des femmes de la citoyenneté. Si des femmes de l'Antiquité étaient effectivement citoyennes, leur genre les écartait de certaines fonctions de l'administration politique, le vote, la plupart des magistratures. En revanche, la pratique religieuse, un domaine partagé par les femmes et les hommes, se révélait un aspect fondamental de la manière d'être citoyen, et désormais parmi les mieux étudiés. Les femmes prêtresses, comme les prêtres, peuvent être considérées comme des magistrates, puisqu'elles disposent d'une autorité supérieure, archée. Elles reçoivent un budget et doivent en rendre compte publiquement. Un travail analogue doit être mené dans un autre secteur, celui de l'économie antique, où la présence des femmes est encore trop souvent ignorée de la part des historiens modernes. En intégrant les femmes dans l'analyse, ce sont les relations entre propriété individuelle et propriété communautaire, capacité juridique et capacité économique, statut juridique et statut social lié à la richesse, qui pourront être éclairés et placés au premier plan. La plupart de nos informations sur les contrats de location et vente de propriétés rurales en Attique concernent des terres possédées par des sanctuaires, des tribus, des dèmes et d'autres groupes liés à des cultes, fratries, orgéons, etc. Il n'y a presque aucun document pour des contrats concernant des terres privées, à l'exception des terrains devenus propriétés d'orphelins. En revanche, les orateurs attiques montrent que des conflits familiaux liés à la propriété de la terre étaient assez fréquents et que des femmes y prenaient part. C'est ainsi que la fille de Diogéliton, quand son fils aîné devient majeur, convoque ses parents et amis dans une réunion où elle, la fille, accuse son père de s'être approprié la propriété qui revenait à ses fils. Elle l'implore de restituer la terre à ses fils afin d'éviter le recours au tribunal, ce qu'elle n'obtient pas. Il refuse la proposition de sa fille. Au tribunal, des membres qui étaient présents à la réunion que la fille de Diogéton avait convoquée témoigne pour elle. Si les Athéniennes ne réalisent pas d'actes en propre et sont plutôt considérées comme des transmetteuses de biens, en revanche, Athénos dans les Cyclades, sur une inscription de la fin du IVe siècle ou du début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, des femmes apparaissent directement impliquées dans les achats et les ventes de maisons et de domaines. Par exemple, sur cette stèle, on lit que Philothéa, fille de Proxénos, vend une terre après un procès qu'elle semble avoir perdu contre son acheteur Anaxiclès. Je cite le texte. Anaxiclès, fils d'Anaximénès Triésios, a acheté à Philothéa, fille de Proxénos Triéside, et à son tuteur, Curios, Proxénos, fils de Soclès, Triésios, les quatre terrasses de culture situées à Sapetos,
au-dessus du terrain qui est en bas, à côté du jardin, limité par le chemin qui monte et en bas par le ruisseau, ayant pour voisin Aeskron, fils de Dem, et ayant fait l'objet du procès gagné par Anaxiclès contre Philothéa. Garant, Aristoclès, fils de Polyxénos. C'est en étudiant les moyens par lesquels les femmes s'impliquaient dans la production des richesses et dans les échanges que l'on pourra analyser les structures de domination sociale à l'œuvre dans l'Antiquité et revisiter, comme c'est le cas pour la citoyenneté, la notion d'économie antique. Souvent marquée par un formalisme conceptuel et une perspective d'histoire des structures, les recherches sur l'économie antique continuent à ignorer l'implication des femmes, trop souvent cantonnées aux activités domestiques et à la prostitution. Dans un ouvrage qui fait référence, seul un chapitre sur 28 concerne l'implication des femmes dans l'économie, et ce chapitre est consacré à la maison, household and gender. La documentation sur les femmes impliquées dans les affaires financières est trop peu connue, et les tentatives de synthèse sur ce point, souvent encore programmatiques. Pourtant, du côté du monde grec, des actes d'achat ou de location de maisons ou de terres, on l'a dit, des travaux sur l'investissement financier dans l'économie des cités ou sur les actes d'affranchissement, mais aussi des travaux sur la richesse produite par le travail textile des membres féminins des familles, montrent des femmes très impliquées et en leur nom. Il est donc temps de relier les informations, de réaliser un corpus qui permette d'intégrer les femmes dans un récit historique qui respecte la mixité des sociétés antiques. Il faut donc réaliser une base de données pour documenter l'action des femmes dans l'Antiquité. Pour écrire une histoire mixte de l'Antiquité, il faut s'organiser et travailler collectivement. À Paris, nous sommes quelques-unes à avoir formé un groupe de travail au sein de l'équipe Anima et en associant des équipes de Toulouse et de Strasbourg, principalement, mais également des collègues d'Europe, des États-Unis et du Brésil. Nous avons élaboré une base de données, baptisée à dessein Euryclea. Le nom signifie « celle dont le Cléos résonne au loin », qui, à terme, cette base est encore en construction, doit réunir le maximum de mentions de femmes désignées par leur nom. L'idée est d'élargir la focale géographique, monde grec et latin, chronologique, du 8e siècle avant Jésus-Christ au 4e siècle de notre ère, et documentaire, en intégrant les différents types de pratiques discursives. Le projet doit permettre de repérer dans quels domaines sociaux, économiques, politiques, les femmes intervenaient. Il doit aussi permettre d'identifier les pratiques qui rendaient les femmes visibles et celles où, bien présentes, elles l'étaient moins. En quittant la problématique trop globale de la domination masculine, l'enquête met volontairement l'accent sur le lien entre la pratique discursive et la mention du nom des femmes pour mettre au jour les logiques propres à chaque contexte. Avec la mise à disposition des documents nommant des femmes, toujours des femmes ayant existé, non pas des héroïnes ou des déesses, l'ambition de ce projet collectif est de fournir un outil de comparaison par rapport à ce que l'on sait des hommes, mais aussi par rapport à ce que l'on sait d'autres femmes, parfois mieux connues. L'objectif final est de constituer un corpus équilibré et représentatif des sociétés antiques
ouvrant la voie donc à de nouvelles analyses. Constituer une base de données sur les femmes nommées dans l'Antiquité est une entreprise qui est donc nécessaire et fondamentale. Elle permet en effet de sortir de l'anonymat des personnages qui n'ont jamais été considérés comme historiquement significatifs. Dans le domaine des études sur l'Antiquité, rappelons-le, les bases de données recensant des individus ont d'abord été des catalogues prosopographiques limités aux élites masculines des cités. Une double sélection, donc, conduisant à laisser dans l'ombre les femmes, d'une part, et les couches sociales moins aisées, d'autre part. La base de données Euryclea, quant à elle, procède d'une logique très différente. Elle s'intéresse d'abord aux femmes, objet privilégié de l'enquête, et cette démarche permet un premier rééquilibrage historiographique. On relèvera par ailleurs que les grands corpus prosopographiques mentionnés sont essentiellement consacrés aux périodes hellénistiques et impériales, en lien avec le développement de la pratique épigraphique à ces époques. La période du 8e siècle au 4e siècle avant Jésus-Christ est bien moins connue, alors que le genre poétique du catalogue des femmes apparaît dès l'époque archaïque et demeure bien attesté à l'époque impériale. Enfin, les traces de femmes nommées restent aujourd'hui dispersées dans des recueils thématiques très utiles, mais qui ne permettent pas de corriger les déséquilibres de l'historiographie. L'enquête que nous menons, en s'écartant délibérément du modèle de la prosopographie pour privilégier l'étude du texte et du support qui produit le nom, permet des mises en relation nombreuses et variées entre des documents que la tradition considérait comme thématiquement étrangers. Elle ne contraint pas une démarche spécifique, elle ouvre le champ à de multiples questions et à de nombreuses directions de recherche. Elle repose sur la construction d'un corpus inédit, car élaboré selon un recensement qui privilégie le document et son contexte de production. L'originalité de la base de données que nous constituons réside en effet dans le recensement et la présentation précise, de façon autonome, d'un document qui nomme une personne, une femme. Il s'agit donc d'identifier et de collecter les documents qui nomment des femmes sur quelque support que ce soit. Texte transmis par la tradition manuscrite, inscription, papyrus et monnaie. La prise en compte de tous les supports permet d'élargir l'enquête à des domaines moins étudiés que le contexte athénien, qui a longtemps servi de prisme pour penser l'ensemble du monde grec. Des travaux sur des acteurs régionaux, sur des cités de moindre importance, au regard du point de vue des événements politico-militaires retenus par la tradition, ou sur des domaines d'activité réputés mineurs ou mal connus, des cultes locaux, des pratiques magiques, des locations de terres, des manumissions d'esclaves, etc., ont permis de faire connaître des femmes agissant notamment dans le domaine politique des dynastes, dans le domaine économique, gestion des patrimoines, ou dans des domaines d'expression du soi, stèles funéraires, dédicaces d'offrandes dans les sanctuaires. La base permettra de mettre en relation l'ensemble des résultats. Alors, bien évidemment, les documents n'apportent pas des informations brutes. Et le travail de l'historien, de l'historienne, consiste à étudier l'énoncé, non seulement dans son contexte historique, mais aussi à l'intérieur même de la pratique discursive qui le fait exister. Notre base de données a ainsi pour spécificité d'accorder une extrême attention aux modalités de l'énonciation. Il s'agit pour nous de ne pas prendre au pied de la lettre les énoncés qui portent sur les femmes et de comprendre les logiques qui président à l'acte de rendre visible un nom. Pour chaque document, il convient alors d'identifier l'acte d'énonciation sans le confondre
avec son support, et de recourir à la terminologie des anthropologues spécialistes de l'Antiquité. Il est ensuite primordial de définir l'instance énonciative, d'identifier la façon dont les informations sont dites, quelle voie les porte. Sans ces éléments, il est impossible de comprendre l'orientation des informations que le document contient sur la figure de la femme nommée. Alors, il n'est pas toujours possible d'avoir ces informations. Mais dans ce cas, la mention de leur absence permet d'éviter les raccourcis ou les conclusions hâtives fondées sur des représentations forgées au fil des générations d'historiens. Une attention accrue est portée à la modalisation. Cette démarche permet d'identifier le contexte dans lequel la figure apparaît et surtout le jugement implicite ou explicite que la voix énonciative porte sur le personnage étudié. Ce jugement peut être neutre, pris dans un énoncé dépréciatif ou au contraire élogieux. Il peut s'agir d'un extrait pris dans un enchâssement de points de vue ou encore dans un contexte où il convient, pour diverses raisons institutionnelles ou contextuelles, de présenter les individus d'une manière spécifique. C'est le cas, par exemple, d'un discours lors d'un procès. Seule la parfaite connaissance de la pratique discursive, de l'extrait et des logiques propres à l'œuvre ou à la pratique énonciative permet de mener à bien une telle analyse et d'éviter de prendre pour argent comptant ce que certains discours dominants, par leur nombre et par la façon dont l'histoire les a conservés et retenus, énoncent. Dans le cas des décrets honorifiques, il est intéressant de constater que les éloges décernés à des femmes et vergettes se formulent dans les mêmes termes que dans le cas d'hommes citoyens. La personne honorée est louée, parfois couronnée, et le décret est affiché dans un lieu public et visible par toutes et tous. Dans ce cas, l'intensité de l'éloge, les qualités de l'honoré, les dons qu'elle a faits à la cité, son honorable filiation, n'est pas forcément un signe en soi, car c'est un domaine où le formulaire le favorise. Dans le cas de personnages de femmes mis en scène dans les récits d'historiens, la méthode d'analyse de la modalisation suit les mêmes logiques. Ainsi, lorsque Xénophon évoque Mania, une gouverneure grecque de l'Éolide, donc une région au nord-ouest de l'Asie mineure, pour le compte du grand roi, à la toute fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, il adopte la perspective parfaitement neutre du narrateur omniscient. Ce sont les autres personnages décrits par Xénophon qui portent des jugements positifs ou négatifs sur Mania. Le public ou lectorat de Xénophon ne peut que constater la plus grande proportion de jugements positifs émis sur les actions de Mania. Son intelligence politique, son engagement dans la guerre, sa générosité et sa fidélité vis-à-vis de ses alliés, les Perses, ressortent largement. La neutralité du contexte d'énonciation générale permet ainsi de déployer un point de vue globalement positif, celui des différents protagonistes, individuels ou collectifs, ainsi son armée, sa cité, sur la gouverneure de l'Éolide. Pour le dire autrement, l'appréciation globalement positive du personnage de Mania, parce qu'elle n'est pas marquée par une intention élogieuse qui la rendrait suspecte, car partiale, en acquiert davantage de relief. L'historien donne à voir à son public une femme de pouvoir qui suscite l'admiration des figures officielles et institutionnelles de son temps. Le regard dépréciatif porté par un seul des personnages, celui qui va assassiner Mania, est isolé. Celui-là est le seul à formuler qu'il est indigne pour un homme d'être dirigé par une femme. Contrairement à une analyse rapide qui prendrait cet énoncé-là au pied de la lettre et considérerait
qu'il reflète l'opinion générale des Grecs vis-à-vis des femmes de pouvoir, l'analyse des points de vue multiples permet de relativiser la portée du jugement sexiste et de le traiter, pour ce qu'il était déjà dans l'Antiquité, un stéréotype. L'ensemble de cette démarche et la précision de l'analyse des actes d'énonciation permettent de produire des lectures plus fiables et de fournir des éléments susceptibles d'être mis en relation les uns avec les autres dans le cadre de la base de données. Ils permettent de connaître les noms et ou les surnoms des femmes nommées, leur statut, leur origine géographique, leur catégorie d'âge, les différents adjectifs ou substantifs qui les qualifient, leur situation personnelle, les noms de leurs parents, ascendants ou descendants. Surtout, l'analyse du document s'attache à décrire les actions des femmes, leurs fonctions et leur place dans la vie collective, charges, activités sociales, économiques, religieuses, politiques. L'intérêt porté à l'action des femmes apporte alors, grâce aux méthodes des gender studies, une façon nouvelle de percevoir les faits de l'histoire sociale et politique. L'apport des subaltern studies est primordial dans la logique qui préside à cette entreprise. Souvent, en effet, les femmes, même quand elles sont nommées, ne constituent pas le centre de l'énoncé lui-même. Et c'est donc dans le cadre d'un discours sur un sujet fort différent que des noms émergent. Ainsi, dans le récit de Xénophon, ce qui intéresse le narrateur, ce sont les divisions politiques qui déchirent la région de l'Éolide à la fin du Ve siècle. Il s'agit alors pour l'historien de procéder à une lecture « against the grain », c'est-à-dire de relever des éléments informatifs qui ne sont pas ceux que l'énonciateur voulait spécifiquement transmettre. Ce projet s'inscrit dans le champ des études de genre qui postule l'historicité des catégories hommes-femmes et la dimension sociale et culturelle des identités. L'outil du genre, parce qu'il permet d'éviter l'essentialisme, permet de se défaire des stéréotypes transmis de génération en génération d'historiens. Ainsi, ce n'est pas parce qu'un nom de femme se trouve inscrit sur une coupe de banquet, un objet trop mécaniquement associé à une pratique d'homme, que cette femme doit être considérée comme étant de mauvaise vie. La coupe de Damonassa, qui inscrit « Je suis la coupe de Damonassa », trouvée dans une tombe de femme à Kos, parmi d'autres objets relatifs au banquet, illustre au contraire le prestige que les parents ou amis de la défunte, Damonassa, associée à sa pratique du banquet. C'est une coupe du Ve siècle. De plus, l'établissement du corpus vise à mettre en lumière les différenciations propres aux sociétés antiques et en particulier l'importance primordiale de la distinction libre-esclave. Aucun rapport social, ni le genre, ni le statut, libre ou esclave, ne détermine, certes, la totalité du champ des interactions humaines. Cependant, tous ces éléments le structurent inextricablement. Par l'attention portée au contexte discursif dans lequel apparaissent des noms de femmes, ce projet permet enfin de faire apparaître la variété des contextes d'action individuelle et la complexité des identifications sociales. Il offre aussi la possibilité de mettre en lumière la dynamique et la coexistence chez les anciens d'interprétations contraires, voire polémiques, concernant l'action des femmes et leurs valeurs sociales. La base de données ne saurait certes prétendre à l'exhaustivité, au regard de l'aire géographique et de l'extension chronologique considérée. Son enrichissement progressif par le dépouillement de recueils de sources déjà édités ou par l'apport d'inédits, offrira toutefois à long terme la possibilité d'une approche statistique selon des critères variés, type de document, région, période, fonction, âge, etc. Cette approche numérique doit cependant être systématiquement pondérée
par une approche qualitative, prenant en compte les logiques qui ont présidé à l'élaboration de l'échantillon qui sert de base au calcul, telles que la nature des textes étudiés, les usages antiques de la désignation des individus et l'état actuel de nos corpus, qui résulte même de choix historiographiques modernes. Voilà donc autant de biais qui rendent l'établissement du sexe ratio particulièrement périlleux. Ainsi, si l'on cherche à comparer la présence des hommes et des femmes dans les inscriptions funéraires d'une région à une époque précise, il convient de tenir compte d'un doublement artificiel du nombre des noms masculins en raison des usages anthroponymiques, les formules onomastiques associant le nom du père à celui de l'individu mentionné dans les épitaphes et les décrets publics, tant pour les hommes que pour les femmes. Le chiffre est donc à considérer dans les logiques formulaires de ce type d'inscription. Au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, à Halicarnasse ou dans ses environs, Ménestrate reçoit un monument en son nom de la part du peuple et du groupe des Romains qui se sont occupés des affaires. Pragmateomenoi, c'est le terme. Ménestrate est dite fille de Mélantios, lui-même fils de Dracon, et elle est dite épouse de Démétrios Coragos, fils de Néon. Le monument a été réalisé par un artiste qui signe son œuvre, Ménophanès, fils de Lusanios, originaire de Sinope. Six hommes sont ainsi nommés dans une inscription réalisée en l'honneur d'une seule femme, Ménestrate, qui, c'est assez rare ici, porte également un surnom, Cotys. Un calcul purement quantitatif, réalisé à partir de cette inscription, conclurait à un ratio femme-homme de 2 pour 6. L'analyse qualitative permet de pondérer le résultat en soulignant la différence de valeur entre les 6 noms d'hommes mentionnés et les 2 noms de l'unique honoré, Ménestrate Cotys. Un tel travail devrait être réalisé sur toutes les statistiques actuellement proposées, souvent à l'échelle d'une cité ou d'une région. En effet, bien qu'uniquement fondées sur le calcul des noms, ces statistiques sont généralement interprétées et présentées comme indiquant la proportion de femmes et d'hommes identifiés dans l'ensemble des documents disponibles. Or, compte tenu des usages antiques de dénomination des individus, la présence des femmes et des hommes dans l'espace public ne peut pas se mesurer au nombre des apparitions de leurs anthroponymes. Le projet ne vise pas, in fine, à souligner la différence entre les hommes et les femmes, que ce soit pour s'en indigner, pour l'exagérer ou la minorer, mais à percevoir la manière dont, dans les sociétés antiques, le genre interagit avec les autres formes de différenciation, que sont entre autres le statut politique, le positionnement socio-économique, l'ancrage dans la parenté et dans un contexte chronoculturel donné. Cette base de données aura ainsi pour effet non seulement de faire sortir de l'anonymat des femmes qui échappaient aux enquêtes des historiens et historiennes d'hier ou d'aujourd'hui, mais aussi de produire des éléments solides susceptibles d'alimenter de nombreux travaux de recherche. De même, cette démarche, qui traite de la même manière l'ensemble de la production, textuelle et archéologique, permet de relativiser les questions quantitatives par l'analyse des processus qui ont conduit à considérer certains discours comme documents historiques et de ce fait à conserver certains types d'énoncés plutôt que d'autres. L'Andromaque homérique est bien connue, sa tragédie d'épouse intelligente qui choisit de s'en conformer aux normes de son rang social l'est aussi. Ce qui l'est moins et mérite pourtant tout autant notre attention est l'histoire de la convive de banquet d'Amonassa de Kos, de la gouverneure de l'Éolide Mania, ou de cette Maltaquet qui, au IVe siècle avant Jésus-Christ,
dépose une petite offrande aux dieux, peut-être le sanctuaire d'Eros et d'Aphrodite à Athènes, pour une dénommée Traïtis, une amie, une amante, une parente, on ne sait pas. Voilà la pierre. This is a stone. Pour conclure, les apports scientifiques escomptés d'un tel projet sont multiples. Les premiers, qui intéressent plus spécifiquement les historiens, les historiennes de l'Antiquité, tiennent à la nature et à l'ampleur de la documentation rassemblée. La base Euryclea donnera de la visibilité à des documents peu connus ou peu mobilisés d'ordinaire. Des contrats de fermage et de vente impliquant des femmes, les pétitions de l'Égypte hellénistique, où des femmes nombreuses s'adressent aux autorités, les lamelles oraculaires de Dodone, dont un certain nombre a été récemment édité, témoignent de requêtes faites à Zeus et Dioné par les pèlerins fréquentant le sanctuaire et fournissent, elles aussi, un précieux réservoir d'informations originales. En ce qui concerne les documents mieux connus, en particulier les écrits des historiens antiques ou le corpus des orateurs attiques, il s'agira de renouveler leur interprétation grâce à une analyse exempte de présupposés et attentive au contexte discursif. La base de données, en favorisant la confrontation et les lectures croisées, ne privilégiera pas un type de document par rapport à un autre, en prenant en compte la diversité des points de vue, sans gommer les variations ou les paradoxes, la base de données offrira les moyens de mener à bien des études de cas, rendant compte de la complexité des discours produits et de ce fait, la complexité des sociétés antiques. Enfin, les analyses menées à partir des documents inventoriés dans la base permettront de jeter un regard neuf sur tous les documents dans lesquels les femmes apparaissent sans être désignées par leur nom personnel, mais qui exercent pourtant une forme d'agentivité sociale. On pense à celles qui revendiquent un héritage, qui attaquent un voisin, qui réclament leur dû et qui forment, anonymes, l'arrière-plan des discours des orateurs attiques. Un autre apport de ce travail intéressera l'ensemble des chercheurs travaillant dans le champ des études de genre, pour d'autres périodes ou dans d'autres disciplines. On pourra par exemple, et dans une perspective intersectionnelle, déterminer la place relative accordée à la différence de sexe par rapport à d'autres éléments déterminants comme l'âge, le statut social et juridique, l'origine ethnique. Enfin, le dépouillement des corpus et l'enregistrement des documents devra s'accompagner d'un examen de la littérature scientifique. Une étude récente de Claire Taylor montre bien que la catégorie « nom de courtisane » est une invention moderne. Des inscriptions variées montrent que des femmes au nom évoquant le plaisir et la douceur, comme Maltaqué par exemple, ont pu être de dignes citoyennes et non des prostituées, comme les commentateurs modernes l'ont trop vite écrit. Un mot pour terminer, sur le choix de baptiser la base Euryclea. N'en déplaise au Périclès de Thucydide, Euryclea était bien connue des anciens. Il s'agit de la nourrice d'Ulysse, la seule dans le palais, qui reconnaît le héros déguisé en mendiant. Le nom que lui a choisi la tradition poétique suggère une gloire, Cléos, qui se diffuse largement, Euru. S'il contraste avec le statut subalterne qu'occupe ce personnage féminin dans la société homérique, le nom de la nourrice d'Ulysse exprime bien le rôle pivot que joue cette vieille femme dans l'économie du récit épique, au moment où Ulysse s'apprête à recouvrer ses droits à Éthaque. Parce que la nourrice Euryclea est un personnage de fiction, elle ne figurera pas dans la base de données. Pourtant, son nom est emblématique du projet. Il s'agit de faire entendre le nom des femmes antiques et il s'agit de leur restituer leur part de Cléos. Redonner aux femmes nommées
la visibilité dont elles ont été souvent privées, en raison des aléas de la transmission des documents et du filtre déformant de la tradition historiographique, tant antique que moderne, voilà une première étape et une étape indispensable pour pouvoir rendre compte de la manière dont le genre jouait dans les sociétés anciennes. Je vous remercie. Obrigada. Merci, merci beaucoup, Violaine, pour cet exposé merveilleux, fantastique, très riche, d'un point de vue substantiel, mais aussi méthodologique. Donc, félicitations, félicitations. Tenemos ahora unos cuantos minutos para la interacción multilingüe, así que no sé si a través de YouTube están formulando ya algunas preguntas. Tenemos 35 minutos para el debate. Mientras quizás aguardamos las preguntas, deux ou trois mots de ma part, Violaine, concernant ton travail. Ce que j'ai beaucoup aimé de l'exposé, c'est un peu la façon dont ton travail revendique cette idée des études de cas. Cette référence concrète au nombre de femmes, aux activités des femmes. Et de ce point de vue, je voulais un peu te demander concernant un peu ces moyens de regarder l'histoire des femmes et l'histoire mixte à partir de ce que l'on peut appeler une historiographie un peu bottom-up, à partir de sources concrètes, afin de bouleverser un peu les approches modernes qui sont plutôt institutionnalisées. Alors, comment est-ce que tu vois cette perspective méthodologique? Et quels sont un peu les apports que tu penses que cette façon de regarder un peu ces sources permettrait de revisiter un peu la façon dont on fait l'histoire de façon traditionnelle? Oui. Tu veux traduire d'abord en portugais ou... Je traduis. Et mi pregunta, y ya veo que están empezando a llegar las preguntas. Mi pregunta era una pregunta más bien metodológica. Me parecía muy interesante en el planteo de Violaine y en general de la base de datos Euricleia, esta idea un poco de reivindicar los casos de estudio, ¿no? Esta especie de trabajo sobre las referencias concretas y el hecho de que, en definitiva, lo que están produciendo es una especie de historiografía que podríamos llamar, usando un anglicismo, bottom-up, ¿no? Es decir, desde abajo hacia arriba, y que esto permite, a mi juicio, quizás repensar o revisitar estas categorías de la macrohistoria institucional tradicional a partir, digamos, de un esfuerzo concreto, ¿no? Y un esfuerzo, por otra parte, colectivo. Digo, creo que la única manera de hacer este tipo de trabajos es a partir de un equipo o de un proyecto, digamos, grupal. Así que mi pregunta era cómo veía ella esta mirada de la historia diferente a partir, digamos, de este tipo de trabajo desde las fuentes documentales. Ok. Je vais répondre en deux temps. Et peut-être tu vas traduire. Je traduis, pas de problème. La première chose, je pense que c'est une nécessité qui m'est apparue face à une sorte d'impasse dans l'historiographie de l'histoire des femmes et du genre. À un moment donné, je trouvais que, je ne suis pas la seule, on était arrivé à dire tout ce qu'on a comme source pour parler des femmes, ce sont des représentations, des textes construits, réalisés par des hommes, et on n'arrive pas, et on sait que ce n'est pas la réalité des femmes, mais on ne peut pas le prouver, et il y avait cette espèce de dichotomie, et en fait on tourne en rond autour de les mêmes représentations qui circulent en disant il faut l'opposer à la réalité, ce n'est pas la réalité, mais sans avoir les moyens véritablement de dépasser cette aporie. Premier point. J'ai traduit jusque-là. Lo que Violaine dice es que va a responder en dos partes.
en una primera parte ella dice que esto surgió a partir de una necesidad que ella advirtió en una especie de impasse, digamos, en los estudios, digamos, propios, que tenía que ver con la perspectiva con la cual estaba encarando estos estudios, ¿no? Y que las fuentes que tenemos tradicionalmente son representaciones respecto de las mujeres que claramente no se condicen con la realidad, pero no había ninguna manera para poder probar esa distancia entre la representación y lo que efectivamente había acontecido. Alors, après, quand on regarde les cas concrets, comme tu dis, bottom-up, on va dans le bottom. Et donc, on va voir l'archéologie, la documentation. Ce sont des cas isolés. Et quand on les voit, on se dit peut-être qu'il faut traiter les représentations, les textes, de la même manière. C'est-à-dire que le travail qu'on réalise sur la documentation archéologique isolée, on va le réaliser de la même manière pour un document textuel. C'est-à-dire, on va considérer, par exemple, que Hésiode, Pandora, c'est une production, à un moment donné, dans des contextes de performance, devant un certain public qui attend tel type de dénoncer. Et donc, en quelque sorte, il s'agit de rendre plus concret le texte, la représentation, de la rendre plus concrète, de lui rendre sa matérialité. Mm-hmm. Xénophon, on lui rend sa matérialité. Et comme ça, on échappe, on quitte cette aporie et on met sur le même plan toutes ces productions en traitant les grands textes, les représentations, les orateurs comme des productions isolées, bottom, hein, elles aussi. Mm-hmm. Il n'y a plus de up, il n'y a que du bottom. lo que dice Violaine es que, bueno, cuando empezó a trabajar con los casos concretos, se empezó a dar cuenta, digamos, del método de trabajo sobre estos temas aislados, bottom-up, como yo decía, ella dice, es el análisis de las fuentes bottom, y que se dieron cuenta de que había que utilizar la misma metodología para el material textual tradicional, ¿no? Es decir, tomarlo con el análisis concreto de su contexto de producción. El ejemplo de trabajar la Pandora de Hesíodo como una representación, como un ejemplo, digamos, de performance que tiene un contexto, digamos, de producción determinado para un público determinado en una época determinada. Y esto termina permitiendo hacer más concreto el acceso a esos textos, superando la aporía a partir de una mirada vinculada con la materialidad, digamos, de estos textos. Y esto permite poner a las fuentes en su conjunto. Merci, Violaine. On a une question, tenemos una pregunta de Gabriele Cornelli que va a pasar con video para poder preguntar. Gabriele. La pregunta, no sé Gabriele si estás disponible, hago entonces antes una pregunta de Camila Jourdan, que llega por el chat, dice, ¿cómo puede ser comprendida en la historia del género la necesidad sociopolítica de la filiación por su padre en las estelas funerarias femeninas? Je ne sais pas, Violaine, si tu veux que je traduise ou si tu comprends la question. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre dans l'histoire du genre le besoin, la nécessité sociopolitique de la filiation de la part du père dans les estelles funéraires féminines? Bon, je ne sais pas si je comprends bien la question. Bonjour Camila. Bonjour Camila. Je ne sais pas si je comprends bien la question parce que ça fait référence à des normes politiques, sociopolitiques qui sont les normes de la filiation. Enfin, en tout cas avec inflexion patrilinéaire, même si c'est une filiation bilatérale hein, dans les sociétés, dans les cités là, je pense à Athènes, mais avec inflexion patrilinéaire. En même temps, ce n'est pas une nécessité, je ne sais pas si c'est une nécessité sur les stèles, il y a des stèles sur lesquelles on a juste le nom de l'individu sans patronyme indiqué. Il y a des stèles et on a des stèles avec le patronyme et l'andronyme, le nom de l'époux. Je pense que
Là, c'était question souvent, c'est que c'est interprété comme des nécessités liées au statut politique, à la manière dont l'entourage de la défunte ou du défunt voulait identifier et valoriser l'identité civique, hein, du défunt, et donc en soulignant son statut, en l'occurrence de citoyenne, hein, ou de femme libre. Et donc la nécessité de passer par ces normes-là, c'est des normes sociales qui indiquent la filiation légitime, la liberté, la statut de liberté. Bon, ça, c'est une réponse. Mais ce qui est frappant, c'est quand même de voir qu'il y a beaucoup de celles qui n'utilisent pas cet habitus dans l'épigraphie. Toutes ne le font pas, en tout cas. Mais oui, je pense que c'est une manière c'est un signe, hein, par rapport à l'identité qu'on veut mettre en avant sur les stèles funéraires. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Camila. Mm-hmm. Voy a ser muy, muy, muy breve. Lo que Violaine sostiene es que, digamos, esta idea, digamos, de la norma patrilineal no necesariamente es una necesidad, pero que muchas veces es utilizado, a pesar de que hay variaciones, cuando hay una voluntad por marcar el estatuto cívico o político, digamos, de la persona que falleció por parte de sus familiares, ¿no? Hay una construcción de la identidad cívica en el marco, digamos, de la ciudad, y quizás esto explicaría la necesidad de pasar por esas normas de carácter social. On a la question de Gabriele. Gabriele dit: je crains que l'un des endroits les plus difficiles pour comprendre le rôle du genre de la femme ancienne, mais pas seulement d'elle, se trouve exactement dans un endroit où on la trouve beaucoup, dans la comédie. Comment appliquer votre très intéressante proposition méthodologique aux études sur le rôle des femmes dans la comédie? Ouais, merci Gabriele. Ah, il faut traduire ou pas en... Mais toi, tu traduis en espagnol, ça... Non? C'est bon? C'est bon. Ok. Dans la parenthèse, il y a écrit « mais pas seulement d'elle ». Pour comprendre le rôle de genre de la femme ancienne, mais pas seulement d'elle. La comédie, en fait, va détourner avec l'humour... va apporter un biais qui frappe tous les personnages, pas seulement les femmes. Le problème parfois, c'est qu'on a isolé les femmes en tant que femmes en disant on va se moquer des femmes. Mais en fait, le poète comique se moque de tous les types de personnages. Alors, dans notre manière de travailler, on va à la fois, par exemple, on voit une boulangère qui s'exprime dans une comédie d'Aristophane, on va tenir compte des éléments sociologiques du fait que cette boulangère, comment elle se présente, comment elle se nomme, quels sont les actes qu'elle réalise, et des points de vue sur elle, qui sont des points de vue multiples, pour justement essayer de quitter une vision qui serait trop stéréotypée, et de montrer que parfois l'humour ne porte pas sur le fait qu'elle soit une femme, mais sur d'autres éléments qui peuvent être d'ailleurs sur des hommes. Souvent, en général, l'humour porte sur les hommes, les personnages masculins. Bon, je réponds, il faudrait un exemple concret. Là, je n'ai pas un exemple concret. Mais c'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, dans l'interprétation du personnage, on doit tenir compte du contexte de la pratique, là, à la comédie. Donc, on va tenir compte du fait qu'il y aura un regard biaisé porté sur le personnage, lequel il faut l'étudier en fonction de ce qui se passe dans l'extrait en question, et pas en général. Mmh. Donc en fait, il faut prendre... Mais on ne va pas le traiter différemment, c'est-à-dire que la méthode est la même pour la comédie, pour la tragédie, etc. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment. Traduire brièvement pour l'instant. Ante la pregunta de Gabriel respecto de qué pasa con este método aplicado a la comedia, dado que la comedia quizás es el espacio en el que es más difícil a veces comprender los roles de género. Violaine responde que en definitiva, bueno, la comedia utiliza, digamos, las prácticas de humor respecto de todos los personajes, incluyendo las mujeres, pero no solo las mujeres. Por lo tanto, lo que hay que hacer es trabajar con las escenas concretas, con las mujeres particulares, y Violaine mencionaba el caso de la panadera, por ejemplo, en Aristófanes, para ver qué es lo que hace el personaje, cómo se presenta, y así entonces superar la mirada tradicionalmente estereotipada
respecto de las mujeres en la comedia antigua. En definitiva, hay muchos resortes humorísticos que no dependen fundamentalmente de que se trate de una mujer respecto del objeto de burla, sino que en realidad la comedia antigua los aplica respecto de una enorme cantidad de personajes. Uh-huh. Entonces, las mujeres. Uh-huh. Merci, Violaine. On a une question de Claudia Beltrán. Sí. Claudia, elle demande, le genre se peut à peu diffuser dans l'arène politique. Aujourd'hui, le thème est explosif. Comment se déroulent les débats et disputes dans l'université et l'espace public en France? Bonjour Claudia. Elle fait partie de l'équipe, Claudia. Eric Léa. Le thème est explosif au Brésil? C'est ça la question? Parce qu'en France, le thème est explosif du genre au Brésil, c'est ça? Au Brésil? Oui, la question, je pense, un peu générale, mais la question, c'est particulièrement sur les débats qui se déroulent dans l'espace public français. En France, le thème du genre était explosif il y a 5 ans. C'était vraiment terrible, terrible. Il y avait vraiment une très forte, beaucoup de pamphlets, beaucoup une opposition politique, journalistique, très, très hostile aux études sur le genre. Mais grâce aux institutions européennes qui avaient beaucoup plus de distance, la France a été obligée de... Enfin, je veux dire, il y a un mainstream sur le gender qui est rentré à l'université et qui est accepté. Et je pense que il y a beaucoup d'opposants, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas une question, que les identités sont essentielles, hein, qu'un homme est un homme, une femme est une femme, et que il faut pas travailler sur la construction des genres et sur la déconstruction, surtout des normes de genre. Mais en France, je pense que aujourd'hui c'est pas ce sujet-là qui est explosif. Aujourd'hui en France, ce qui est explosif aujourd'hui, c'est les questions de relativisme culturel, c'est la question de ce que les politiques extrémistes appellent l'islamo-gauchisme. Mm-hmm. Donc, c'est la question de tout ce qui est bienveillant vis-à-vis d'autres cultures et qui essaye de... voilà, c'est là que portent en ce moment, aujourd'hui en France, les conflits, plus tellement sur le genre. Dans mon université, on a créé un master d'études sur le genre. Il y a beaucoup de financements qui sont proposés pour des études sur le genre. C'est-à-dire que les financements publics soutiennent les études sur le genre. Mm-hmm. Mais la société, c'est différent. Hein. La société, c'est différent. Mm-hmm. Mais les financements publics nous soutiennent. Mm-hmm. Merci. Ante la pregunta de Claudia Beltrán, que integra el equipo Euricleia, respecto de cómo juega los problemas de género en la arena política, dado que el tema es explosivo y cómo en la universidad y en el espacio público francés se tratan estos temas, Violaine respondió que el tema del género era explosivo hace unos 5 años, cuando se presentaron panfletos políticos muy hostiles respecto de los estudios de género, pero que con el tiempo, gracias a las instituciones europeas, los estudios de género han comenzado a ser financiados y apoyados en las universidades francesas, que por supuesto te implica que hay muchos todavía que están en desacuerdo con que se estudie la construcción o deconstrucción de las identidades, pero que particularmente en París 1 se ha creado un máster de estudios de género, es decir, desde el punto de vista institucional se ha dado mucho apoyo. Y lo que Violaine añade es que el tema que hoy parece más explosivo en el contexto universitario francés tiene que ver con el relativismo cultural, ¿no? Y en particular con lo que los franceses llaman la islamo-gauchisme, algo así como el izquierdismo islámico, que en definitiva está un poco en los tapetes de la discusión política. On a une question de Valet. ¿Cómo debemos pensar desde una perspectiva de género la figura del tutor masculino, el curios? ¿Cómo es que on peut réfléchir a la figura del curios? Sí. C'est une question fondamentale par rapport pour tous ceux, toutes celles qui travaillent sur l'histoire des femmes.
parce que c'est la figure de la subordination des femmes hein, dans l'histoire, dans l'historiographie. Alors, pour moi, dans le travail qu'on mène dans Euryclea, ce qui est vraiment intéressant, c'est de recueillir la documentation qui fait mention du curios. Donc, quand on a une femme nommée, voir si un curios est présent ou non, et comment il est présenté. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que du coup, on s'aperçoit que le curios, parfois, il est difficile, quand il est nommé, de comprendre sa fonction. Parfois, il est simplement nommé comme un témoin, quelqu'un qui est présent au moment de l'acte, mais il ne fait rien. C'est la femme, par exemple, pour les contrats de vente de terre ou de location de terre, la femme, elle est le sujet du verbe, elle vend sa terre ou elle achète. Et parfois, le curios est mentionné, elle est meta tu curium, alors il y a un curios qui est mentionné avec elle, mais il ne fait rien. Rien du tout. Et ça, c'est vraiment un élément intéressant déjà de la recherche, un résultat intéressant. Autre, tu veux déjà, je continue après, tu veux traduire? Je traduis brièvement. Et frente a la pregunta entonces de cómo analizar la figura del curios, lo que Violén sostiene es que es una figura fundamental porque el curios es el personaje que representa la subordinación de la mujer, ¿no? Entonces, para poder estudiarlo desde esta metodología, hay que recolectar todas las informaciones respecto de la aparición de estos curios, porque muchas veces las evidencias muestran que el curios está presente, a veces no, y entonces cuando está presente en muchos casos es muy difícil comprender cuál es su función exacta, ¿no? En algunos casos aparece simplemente como un testigo que en definitiva no hace nada, y Violén señalaba el ejemplo de los contratos sobre locación o compra y venta de tierras, donde la mujer aparece como sujeto del verbo y, sin embargo, aparece que está junto con un curios, pero el curios, en definitiva, no está haciendo nada concreto. Así que es difícil como reconstruir su propio rol de actividad. Y eso, yo creo que es particularmente importante par rapport à ce qu'on a appris sur le curios, qui souvent vient d'Aristote, lorsqu'il explique que le père ou le curios donne à la fille en mariage, sa fille en mariage, et c'est repris aussi chez les orateurs attiques, c'est-à-dire que la fonction du curios, on la voit dans le mariage, et nous, les historiens, et on répète toujours que l'autorité vient du père, elle est transmise à l'époux, et c'est donc cette autorité qui pèse sur la fille, qui reste une éternelle subalterne d'un membre masculin de sa famille. Et cette affirmation qui provient d'une phrase d'Aristote et de quelques textes chez les orateurs, la description du mariage et de la fille épiclère, c'est quelque chose qu'on n'observe pas dans les inscriptions où des femmes passent des contrats. Donc ça, c'est quand même vraiment un résultat intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas pour le mariage, mais il faut voir les contextes dans lesquels il intervient et qu'est-ce qu'il fait. Ensuite, il y a aussi, grâce à la base de données, on espère pouvoir répondre à la question, et donc grâce à la perspective de genre qui anime la base de données, répondre à la question de savoir s'il y a des régions qui ont établi une fonction importante pour le curios et d'autres régions qui ne l'ont pas. Il y a des actes d'affranchissement, par exemple, dans le nord de la Grèce, dans la région de l'Épire, en Albanie, où les femmes font des actes toutes seules, sans curios. Il n'y a jamais de curios mentionné. Donc, il faut voir si c'est des régions, si c'est des périodes chronologiques, si c'est des types d'actions qui explique qu'on n'ait pas besoin de curios. Mm-hmm. Ensuite, bon, il y a encore un autre élément qui est que le questionnement par le genre, en tout cas la perspective de la base de données par le genre, qui est d'avoir beaucoup, beaucoup d'informations, permet aussi de se rendre compte que parfois, les femmes vont choisir elles-mêmes un curios pour les défendre dans des affaires. Ça veut dire qu'elle réclame un curios
parce qu'elles ne peuvent pas aller à l'Assemblée ou au tribunal pour parler toutes seules et se défendre. Et donc, elles vont choisir un allié, mais pas forcément quelqu'un. Donc, c'est pas quelqu'un qui est imposé par le père ou le mari, mais c'est quelqu'un qu'elles vont choisir à l'extérieur. Elles peuvent même avoir plusieurs curioïs qui vont intervenir pour les défendre dans une affaire. Donc, ce sont plutôt des délégués dans ce cas-là. On a un papyrus du 3e siècle en Égypte où c'est une femme qui écrit aux autorités égyptiennes pour leur demander de nommer un tel. La femme a choisi un tel pour qu'il soit son curios parce qu'elle a besoin de lui pour certaines affaires, pour gérer ses biens. Enfin, elle-même va les gérer, mais pour plaider dans certaines circonstances. Donc, on voit que c'est quand même, du coup, la perspective de genre, c'est-à-dire ne pas rentrer dans les stéréotypes, la femme, toujours subordonnée, mais qu'est-ce qui se passe? Regardez toute la documentation. On voit qu'il y a des situations bien plus variées et que le curios, parfois, est un adjuvant pour des femmes qui ont des affaires et qui doivent les défendre. Muy brevemente, lo que dice Violaine respecto de esta figura del Curios es que en realidad lo que sabemos de la figura del Curios proviene de fuentes como Aristóteles, que en un pasaje sostiene la importancia del Curios que da a su hija en matrimonio, ¿no? Y a partir de acá y de otras fuentes de la oratoria ática, se ha reconstruido la imagen de la autoridad del Curios como padre que transmite a la mujer en matrimonio y a la mujer entonces como una especie de objeto o de menor eterno. En segundo lugar, hay que además tener en cuenta la dimensión geográfica. En distintas regiones la figura de los Curios puede haber cambiado de modo concreto. Violaine dio el ejemplo de un acta de liberación de esclavos del norte de Grecia, donde evidentemente la figura del Curios puede ser distinta. Y un último punto interesante es que las mujeres en las fuentes a veces eligen ellas mismas a un hombre para que se desempeñe como Curios. Es decir, el Curios no es impuesto a la mujer, sino que, en definitiva, la mujer lo elige para su defensa en un asunto particular. Y señaló el ejemplo de un papiro egipcio del siglo III en el que una mujer escribe a las autoridades para que se designe a un individuo concreto como su curios para alegar en su favor. Con lo cual, evidentemente, hay una situación muy variada respecto de esta figura. Seguimos, Rosani Maya dice, esa guinada en la historiografía indica cuestionar la hegemonía del dominio de esfera política para un método interseccional, religión o estatuto social. Si, ¿cómo esta mirada historiográfica, cómo ce regard historiographique, on peut servir a cuestionar l'hégémonie dans le domaine de la sphère publique pour une méthode intersectionnelle, comme la religion, les statuts sociaux, etc. Alors, la question, je la reformule pour être certaine de comprendre. Ça veut dire que cette méthode intersectionnelle qui passe par la religion, le statut social, la question est de savoir si ça permet de questionner l'hégémonie masculine de la sphère. Ouais. Oui, bien sûr, je pense que c'est ça effectivement qui est sous-jacent, c'est-à-dire que en soulignant la place ou la participation de femmes dans la sphère religieuse, ça a déjà été fait, hein, c'est vraiment quelque chose, il y a eu beaucoup de travaux sur ces questions, sur les prêtresses, sur les agents du culte, sur la participation dans l'espace public. Ça a été beaucoup fait, mais malheureusement, ça passe pas tellement au-delà de la sphère de ceux qui savent déjà. Tu vois ce que je veux dire? Ça a été fait, donc tous les spécialistes de la religion grecque savent que les femmes participent beaucoup, mais les spécialistes de l'Antiquité en général ne font pas tellement le lien avec la question politique. Ça, c'est dommage.
C'est-à-dire que, et la question du statut social, ça permet aussi de montrer que ce qui se passe dans l'espace politique, ce sont des distinctions qui associent citoyens et citoyennes par rapport à des non-citoyens, non-citoyennes, des esclaves des deux sexes, des étrangers, des étrangères. Donc oui, c'est vrai que la question par l'intersectionnalité permet de moins grossir l'opposition de sexe, homme-femme, dans la sphère politique, dans la sphère religieuse, partout, et de mieux prendre en compte la participation de certaines femmes dans la sphère politique. Et du coup, ça c'est là où je vais, du coup aussi, de définir autrement la politique, le politique antique, en lui donnant une définition moins restrictive que celle que lui ont donné les intellectuels, on va dire, depuis la Révolution française, hein, les intellectuels à partir du 19e siècle, fin 18e siècle, 19e siècle et 20e siècle, qui ont défini le politique en excluant les femmes sur la base d'une définition portant sur le vote et sur la participation aux assemblées, aux magistratures. Et je pense que le passage par les autres pratiques publiques, telles que la religion, permet effectivement de remettre en question la définition même de ce qu'est la politique dans l'Antiquité. Mmh. Bien. Et lo que Violaine responde respecto de esta cuestión vinculada con la religión y el estatuto social y el método interseccional, es que en definitiva los historiadores de la religión antigua ya han trabajado mucho sobre las figuras de las sacerdotisas, quienes se ocupan, digamos, de las cuestiones religiosas en los espacios públicos, etcétera, pero que a veces esto no ha repercutido en la historiografía general. Y lo que permite la interseccionalidad es darse cuenta de que esto genera la necesidad de replantear la propia conceptualización de lo político, ¿no? Pensar que lo político se define a través de otras prácticas, incluyendo la religiosa, y esto es un poco el eje de lo que Violaine investiga, es decir, pensar que la política debe ser entendida en el mundo antiguo desde un concepto mucho menos restrictivo que el que le suministraron a partir del siglo XVIII, XIX y XX los grandes intelectuales posteriores a la Revolución Francesa, que equiparan política con voto, asamblea, ejercicio de magistraturas, ¿no? Mientras que la dimensión de lo político, desde esta mirada, sería mucho más amplia porque se enriquece de estas otras prácticas. Merci, Violaine, de nouveau. Katia Potzer, savez-vous d'une initiative pareille pour l'histoire de l'Antiquité orientale? Je connais pas d'initiative parallèle. Ni pour l'histoire de l'Antiquité orientale, ni pour le Moyen-Âge, on pourrait imaginer, ou pour d'autres périodes. Mm-hmm. Désolée. La pregunta de Katia es si Violaine conoce alguna iniciativa semejante a esta que se esté trabajando en la historia de la Antigüedad Oriental. Y Violaine responde que no, que en realidad no conoce ni para la Antigüedad Oriental, ni incluso para la Edad Media. Lo cual, bueno, implica que también hay cosas para hacer en esas áreas. On a, je pense, Violaine, une dernière question, une question qui est liée à celle de Gabriele, une question posée par Cynthia Aruzza. Est-ce que vous pensez que votre méthode et recherche vont jancher notre interprétation de l'Assemblée des femmes d'Aristophane? Ça m'intéresse personnellement, j'avoue. Ok, je ne sais pas si il y a une seule interprétation de l'Assemblée des femmes d'Aristophane, hein, donc déjà, il faudrait peut-être se mettre d'accord s'il y a une interprétation unique, mais j'imagine que ça fait référence à l'idée du renversement comique, de la polarité homme-femme de ce jeu sur les polarités de ces femmes exclues totalement de l'Assemblée et qui sont tournées en dérision quand elles prennent les fonctions qui sont celles des citoyens, de leurs époux à l'Assemblée. Je pense que
les auteurs, en fait, les auteurs qui sont comme ça dans des genres connus comme la comédie, ils jouent aussi sur des jeux, en fait, des jeux discursifs tels que la polarité homme-femme. Ça existe. Hein. C'est une polarité dans certains textes, dans certains documents. Ça existe. Même chez Hésiode, dans Pandora, c'est mis en scène. Hein. Donc, il y a bien une polarisation avec une forme de discours misogyne. Je ne dis pas que les poètes étaient misogynes, mais que c'est en tout cas mis en scène, hein, que ce type de discours, il est mis en scène, ça existe. Et ça fait partie de la diversité, ça fait partie de ce qui existe. Bon, et ça ne changera jamais. Par contre, la méthode permet probablement de prendre du recul par rapport à ce type de discours et de pas le généraliser. Alors, je pense que les gens, les spécialistes, ne généralisent pas. C'est pas ça que je veux pas dire qu'ils le font, mais permet de mieux situer ce type de production dans un contexte particulier et de pas, ce qui a été quand même beaucoup reproché à l'histoire des représentations, et de pas généraliser pour l'ensemble du monde grec. Et puis aussi, par exemple, les personnages qui peuvent être représentés, alors dans l'Assemblée des femmes, Praxagora, mais sinon on peut penser à Lysistrata, à ces femmes qui prennent le pouvoir. Il faut penser que dans la vie réelle, ces personnages font écho à des femmes réelles qui avaient de l'autorité dans la cité. Comme les hommes qui sont mis en scène dans la comédie. Mmh. Lysistrata, si elle fait référence à Lysimaché, c'est une prêtresse d'Athénapolias qui a toute autorité dans le sanctuaire, qui gère des fonds, etc., qui est une femme de l'élite, qui va avoir une statue sur l'acropole. Donc c'est en fait la méthode de la confrontation entre différents types de documents permet de relativiser la portée d'un seul document sur lequel aujourd'hui dans notre tradition on insiste beaucoup, on a pioché comme ça quelques documents qu'on a à partir desquels on a généralisé sur ce que les Grecs pensaient. Mais si on fait cette enquête et qu'on va insister sur des personnages réels qu'on peut mettre en regard avec les personnages nommés dans la comédie, par exemple, pour les hommes ou pour les femmes, on verra bien à ce moment-là l'écart entre un discours comique qui prend référence et qui s'écarte du réel. Merci Violaine. Con respecto a la pregunta de Cinzia sobre si este método podría permitir una reinterpretación de las asambleístas de Aristófanes, bueno, Violaine sostiene que es difícil pensar que hay una única interpretación de la pieza, pero que en todo caso esta idea de la reversión de las polaridades con la toma de poder, digamos, de los órganos de la ciudad por parte de las mujeres es evidentemente una representación frecuente en los autores de la época. Y que esto ya desde el propio Hesíodo con Pandora se ve bien en la consolidación de un discurso misógino, que no tiene que ver con que los escritores o autores sean misóginos, sino que el discurso que elaboran lo son. Y que eventualmente el método que permite confrontar distintas fuentes de manera simultánea permite quizás dar un paso hacia atrás y evitar generalizar en las miradas que uno tiene respecto a estos textos, situándolos mejor. Digo, Praxágora o Lisístrata, que en definitiva, en muchos casos, para generar humor, no son nada más y nada menos que ecos de mujeres reales, ¿no? Y Violaine mencionaba el caso, por ejemplo, de la sacerdotisa de Atenea Polias, que posiblemente haya inspirado el personaje de Lisístrata. On a, je pense, maintenant, oui, je promets, la dernière question, la toute dernière question, Violaine. Ouais. Beatrice De Paoli, elle pose la question. ¿Cómo pensar desde el punto de vista de los estudios de género la cuestión de la autoridad femenina en el caso de las mujeres que ejercen la función de adivinas, como en el caso de la pitonisa de Delfos? Ok. D'abord, je pense que du point de vue des études de genre, la première réflexe, c'est de comparer la fonction de tous ceux qui sont les intermédiaires des dieux, qui parlent pour les dieux, prophétesses, de les comparer avec les prophètes, déjà, pour voir si c'est différent ou pas. Ensuite,
dans la perspective toujours qui est la nôtre, c'est de comparer ce que disent certains textes, Hérodote par exemple ou Plutarque, avec les inscriptions d'époque hellénistique et surtout impériale de Delphes, qui mentionnent des pythies, qui sont en fait des femmes de bonne famille, qui ont une fonction un peu comme la Lysimachée, prêtresse d'Athéna Polias, qui ont des fonctions d'autorité, mais des fonctions de prestige, très prestigieuses. Et du coup, on va peut-être un peu s'éloigner de l'interprétation très genrée, par exemple de Julia Sissa, quand elle dit que c'est le corps féminin qui est le véhicule de la voix masculine, la voix du Dieu qui passe à travers elle. Je pense qu'on a tout intérêt à comparer vraiment ce qui est dit pour les femmes dans Prophétesses et les hommes prophètes, et de regarder tous les types de textes, de documents qui parlent des pythies ou des prophétesses pour voir comment elles sont nommées. Et du coup, on va probablement avoir une vision plus banale de la pythie ou des prophétesses, comme on a une vision banale des prophètes et des prêtres attachés au sanctuaire qui parlent pour les dieux. Et on va moins les charger de cette... les moins chargés de valeur, de genre, tu vois, en disant c'est parce qu'elles sont un corps féminin qui doit être traversé par la voix du Dieu. Mm-hmm. Mais pour ça, il faut vraiment comparer hommes et femmes et différents types de documents. Mm-hmm. Merci, Violaine. Entonces, frente a la pregunta de Beatriz que hemos leído respecto de cómo estos estudios de género pueden, de alguna manera, reflejar el problema de la autoridad femenina en el caso de las mujeres pitonisas. Lo que dice Violaine respecto de su metodología de trabajo es que en definitiva habría que hacer dos cosas, ¿no? Por un lado, comparar todas aquellas figuras que son intermediarias respecto de las divinidades, ¿no? Y en ese caso comparar lo que las fuentes dicen respecto de las profetisas con lo que, por ejemplo, las fuentes indican respecto de los profetas masculinos, ¿sí? ¿Es diferente la manera en que se presenta uno y otro? Y en segundo lugar, comparar los distintos documentos en los cuales aparecen estas referencias. Por un lado, lo que dicen autores como Heródoto o Plutarco, con otros testimonios, por ejemplo, epigráficos, tales como distintas inscripciones helenísticas de Delfos, que hablan precisamente de la función prestigiosa, digamos, de las pitias délficas. Entonces, alejarse un poco de las miradas tradicionales, como la de Julia Sissa, que intenta ver a la mujer como un vehículo, digamos, de la mirada y del poder masculino, para comparar los textos y quizás llegar a una visión más banal, una visión más normalizada de las figuras de estas sacerdotisas y menos cargadas de estas valoraciones de género más bien tradicionales, ¿no? Esta idea de que por el hecho de ser mujer tienen una serie de elementos que deberían serle propios. Bon, je pense. Et bien sûr, je n'étais pas strictement fidèle, Violaine, à tes très riches commentaires, mais j'ai essayé de faire de mon mieux pour que tout le monde puisse comprendre ce que tu as répondu. Bueno, creo que estamos en condiciones de finalizar. De vuelta, Violaine, te agradecemos mucho que nos hayas dedicado este tiempo. Merci beaucoup de ton temps. Muchas gracias de vuelta a la Cátedra UNESCO y le voy a dejar, por supuesto, la palabra de despedida a Violaine. Je te laisse un peu faire la clôture à Violaine. Y de mi parte, muchísimas gracias, muito obrigado pela atenção. Violaine. Merci beaucoup à tout le monde et à Emiliano, à Laetitia qui a traduit, à Agatha qui m'a introduite dans le groupe Arcaï. Merci beaucoup à vous. Eu agradeço, então, a Violaine pela belíssima conferência, ao Emiliano pela moderação, a todos que encaminharam suas perguntas, e nós vamos trocar de sala rapidinho. Quem está aqui no estúdio de gravação vai trocar de sala, e quem está assistindo vai trocar de link no YouTube. Nós estamos compartilhando agora o link da próxima sessão,
que vai acolher a conferência da Marina Cavicchioli. É um pulinho de uma sala para outra.